Ok. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous, à ceux qui se sont connectés pour l'instant au French Connect. Je suis Jean-Luc. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'un des pasteurs de l'église de Saint-Barnabas et en charge du French Connect. Donc, c'est un plaisir de vous avoir. On est rentré dans le mois de juillet. Beaucoup de monde commence à être en vacances. Et c'est vrai ici à Londres. Et c'est vrai aussi qu'on a fait un pique-nique aujourd'hui. Pour la première fois, on s'est retrouvés dans un parc ici à Londres. Et donc, voilà, il y a quelques personnes qui seront en retard, j'imagine, aujourd'hui. Mais soyez tous les bienvenus, spécifiquement si c'est la première fois que vous connectez au French Connect. On est ensemble pour une heure. On va avoir un temps d'abord de louange chantée, puis un temps où on va prier, puis un temps où on va écouter la parole de Dieu et méditer dessus. Et enfin, je dirais un quatrième temps avec Anne-France qui nous a rejoint aujourd'hui, Anne-France de Bossière, qui est notre invitée. Aujourd'hui, on aime bien avoir des invités chaque dimanche au French Connect, des témoins. Et elle va nous partager, j'en dis pas plus tout à l'heure, plus sur son rôle et sa mission en France et en particulier dans l'Église catholique. Donc voilà pour le programme. On finira avec des annonces et encore des prières. On est ensemble pour une heure, mais soyons à l'aise. Commençons simplement par nous mettre tous devant les yeux du Seigneur. Et ce qu'on fait d'habitude, c'est qu'on prend cette prière de préparation. On la prend ensemble. Ça nous permet à notre âme, à notre cœur, d'inviter Dieu par son esprit. Et ensuite, on dira ensemble, si vous voulez bien, un psaume, le psaume 84. Mais j'en dis pas plus, on va le lire ensemble dans quelques instants. Donc voilà, faisons peut-être le silence dans nos cœurs. Viens, Saint-Esprit, et fais jaillir l'éclat de ta splendeur. Fais-nous connaître le Père et révèle-nous le Fils. Viens, Saint-Esprit, et remplis de la grâce d'en haut le cœur de tes fidèles. Amen. Ce psaume, je l'aime beaucoup parce que c'est un psaume qui parle d'être dans la maison de Dieu, le temple. Le psalmiste l'a écrit pour le temple de Jérusalem. Pour nous, c'est évidemment un peu différent, nous qui sommes chrétiens. Les uns et les autres formons le temple du Saint-Esprit. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de spécial aussi de se retrouver ensemble dans un bâtiment d'église. En Angleterre, ça fait que depuis deux dimanches, c'est le deuxième dimanche où on peut de nouveau, en théorie, se retrouver ensemble dans un bâtiment d'église. Et ce psaume parle vraiment de cette passion d'être dans la présence de Dieu, d'être dans sa maison. Et alors, ce n'est pas encore le cas pour nous au French Connect, en tout cas, même si on peut vivre quelque chose de cette attente de la présence de Dieu. Donc, je vous propose simplement de le lire ensemble dans notre cœur où je vais nous guider. Et c'est le psalmiste qui dit « Comme j'aime ta maison, Seigneur, de l'univers, je meurs d'impatience en attendant d'entrer dans les cours de ton temple. Mon cœur et mon corps crient de joie vers le Dieu vivant. Seigneur de l'univers, mon roi et mon Dieu, même le petit oiseau trouve un abri près de tes autels, et l'hirondelle peut faire un nid où mettre ses petits. Ils sont heureux, ceux qui habitent dans ta maison. Sans cesse, ils peuvent chanter ta louange. Ils sont heureux, ceux qui trouvent leur force en toi, ceux qui partent vers toi de bon cœur. Quand ils passent par une vallée très sèche, Dieu la change en oasis, et les premières pluies la couvrent de bénédictions. En avançant, ils sont de plus en plus forts et se présentent devant Dieu à Jérusalem. Seigneur Dieu de l'univers, vers, entends ma prière. Dieu de Jacob, écoute-moi. Ô Dieu, regarde le roi, il est notre bouclier. Accueille celui que tu as choisi. Un seul jour dans les cours de ton temple vaut mieux que 1000 jours passés ailleurs. Un seul jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mon Dieu, j'aime mieux rester à la porte de ta maison que de vivre au milieu des gens mauvais. Oui, le Seigneur Dieu est un soleil. Il est un bouclier. Le Seigneur donne l'amour et l'honneur. Il ne refuse pas le bonheur à ceux qui mènent une vie parfaite. Seigneur Dieu de l'univers, il est heureux celui qui a confiance en toi. Amen. Chanterons ensemble. Amen. Quelle grâce de pouvoir tous ensemble louer Dieu, là où on est. Alors pour nous, je dois dire quand même que c'est une grande joie de pouvoir être dans l'église. Peut-être que vous ne reconnaissez pas l'église parce qu'on est dans le sous-sol. Et en plus, on a Timmy avec nous. Donc c'est vraiment une grande joie. Et ce psaume est magnifique. Ce psaume parle de la joie d'être ensemble pour louer Dieu aussi. Alors que là où on est, maintenant, on puisse tous
faire retentir nos louanges et notre adoration pour notre roi des rois. Notre force sera renouvelée. Juste pour rejoindre à ce que Corinne disait, je vois Timmy qui est à côté de moi, mais ça faisait 4 mois, Timmy. 4 mois. Avant, on était tous les dimanches ensemble en train de faire la louange, mais après 4 mois, on est là ensemble. Mais on va célébrer Dieu de tout notre cœur ensemble. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Encore. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Jamais lassé, jamais fatigué. Tu es le défenseur du père, le réconfort du pauvre. Tu nous donnes l'ombre comme l'air. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Notre force sera renouvelée en nous attendant à Dieu, nous nous attendons à Dieu. Tu règnes à jamais, Seigneur. Espoir qui s'en libère. Voilà, Seigneur, rassemblés dans ta présence pour te célébrer, pour te louer. Et oui, Seigneur, comme nous venons de chanter, tu es celui qui nous défend. Tu es là, ta présence est là avec nous. Tu nous donnes la force de surmonter toutes les situations, toutes les circonstances difficiles de nos vies. Tu es notre secours. Si la lune me glace, vas-y, tu veux. Si la lune me glace, créateur des étoiles, si l'on est en toi, si mes larmes ruissellent, que mon péché. Thank you.
Merci Seigneur que tu dis dans ta parole que la foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de celles que on ne voit pas. Merci que pendant ce temps incertain, notre sécurité, notre espérance est en toi. Tu nous donnes la paix qui dépasse tout ce que nous pouvons comprendre. Nous avons confiance en toi, Seigneur. Aide-nous, tes disciples, à être fidèles, vigilants, courageux. Nous voulons porter ton amour, ton espérance au monde plein de peur, de désespoir et de tristesse. Aide-nous à rester sensibles à ton esprit, à remplir l'appel que tu nous donnes. Nous prions pour les choses que nous espérons. Que ton royaume vienne en France, au Royaume-Uni, partout dans le monde. Merci pour l'unité des églises démontrée dans le champ de bénédiction. Merci pour tous ceux qui se sont connectés au service, au parcours Alpha, au réseau de prière. Merci pour tout ce que tu as fait. Nous prions que ton œuvre dans leur vie, dans nos vies, continue pendant ces périodes de déconfinement. Que tu donnes à nos leaders, Andy et Jean-Luc, ta vision, l'imagination inspirée par ton esprit. Comment être ton Église? Quels sont les projets que tu nous confies pendant cette prochaine saison? Avec l'autorité que tu nous donnes, nous prions pour nos gouvernements en France et ici au Royaume-Uni. Que tu leur donnes la sagesse dont ils ont besoin pour qu'ils prennent les décisions justes au sujet de l'économie, de la santé publique. Nous prions pour l'imagination et la créativité, pour que les emplois soient créés et préservés. Nous prions pour les scientifiques, pour l'équipe d'Oxford, pour les équipes partout dans le monde, que tu les guides afin qu'ils découvrent rapidement un vaccin efficace et sain. Seigneur, tu es souverain. Nous te demandons que tu mettes fin à ce virus et que tu renouvelles nos vies, nos pays. Et nous prions pour les vacances d'été, que ce soit un temps pour nous tous de repos, que tu nous protèges et que nous passons ce temps avec nos familles et nos amis, et surtout avec toi, Seigneur. Et que tu nous parles au travers du parcours Panorama. Merci, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci. Merci, Rosemary. Merci, Gilbert, Corinne et Timmy, de nous avoir menés dans ces louanges et dans cette prière. On continue notre temps ensemble, on continue notre série de prédications sur les questions que Jésus pose. On arrive bientôt à la fin de cette série de prédications, mais cette question aujourd'hui, elle s'intitule « Dors-tu ?» Et donc, Rosemary, est-ce que tu peux te mettre en mute, s'il te plaît? Et je vais laisser Karine lire le texte qu'on a prévu pour aujourd'hui. Karine, si tu es là. Karine, je t'ai vu tout à l'heure, je ne sais pas si tu es en mute ou pas, est-ce que tu es là? Je te cherche. Ah, je ne suis plus connecté. Eh bien, je vais proposer que quelqu'un d'autre lise ce texte. Je voudrais lire ce texte-là qui s'affiche à l'écran. Le premier qui se unmute et qui lit le texte aura gagné. N'ayez pas peur. Ensuite, ils vont à un endroit appelé Gethsémané. Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici pendant que je vais prier. » Il emmène avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il commence à être inquiet
et très effrayés. Et il leur dit, « Mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, ne dormez pas. » Alors, attends, excuse-moi. Il va un peu plus loin, il se jette par terre et il demande à Dieu d'éloigner ce moment de souffrance si c'est possible. Il dit, « Abba, Père, pour toi tout est possible. Éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Jésus revient vers les trois disciples et il les trouve endormis. Il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pendant une heure? Restez éveillé et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. » Jésus s'éloigne encore et il fait la même prière. Il revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Ils ne peuvent pas garder leurs yeux ouverts et ils ne savent pas quoi lui dire. Une troisième fois, Jésus s'éloigne et il revient. Il dit à ses disciples, « Vous dormez encore et vous vous reposez. C'est fini, c'est le moment. Le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons. Voyez, l'homme qui me livre est arrivé. » Merci Victoire pour cette lecture improvisée. Et je pense que Karine a eu un petit problème, mais c'est pas trop grave. Donc on est sur cette question du coup de la semaine qui s'intitule donc comment s'intitule-t-elle ? Elle s'intitule Dors-tu ? Alors je vais chercher mon petit papier. Ce que je vous suppose, c'est de, alors, c'est de prier. Père éternel, merci parce que ta parole nous permet de mieux, toujours mieux te connaître. Et aujourd'hui, c'est notre prière. C'est notre prière, c'est de mieux te connaître. Illumine nos cœurs dans ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Alors, nous avons pris l'habitude depuis quelques semaines de nous laisser interpeller par des questions que Jésus pose. Aujourd'hui, c'est cette question effectivement de Jésus à ses disciples. Dormez-vous? Dors-tu, Simon-Pierre? Dors-tu? Est-ce que tu n'as pas pu rester éveillé une heure avec moi? Alors, le sommeil, c'est évidemment une très bonne chose. En général, toute la création dort. Les oiseaux migrateurs, j'ai appris ça en préparant ce petit message, dorment en volant. Je ne savais pas ça, mais il y a une façon de planer sur les courants d'air et ils peuvent dormir en volant. Et les chauves-souris aussi dorment d'une manière assez intéressante, la tête à l'envers. Les escargots dorment des années parfois, il y a tout ce qui est autour de l'hibernation. Mais dormir, évidemment, c'est se régénérer le corps, l'esprit, c'est bon pour nous. Et effectivement, le sweet spot, comme disent les Anglais, c'est vraiment dormir en moyenne 7 à 9 heures par nuit. Et bien sûr, il y a tout un... des différentes personnes qui peuvent dormir beaucoup moins, des hommes comme des femmes célèbres ont vraiment eu des vies où ils dormaient beaucoup moins. Mais pas assez dormir ou trop dormir est aussi néfaste à la santé. On sait les conséquences, ça peut être une conséquence d'une dépression ou d'une mauvaise passe, d'insomnie. Alors récemment ici, dans notre couple, dans notre foyer, on a eu un problème de sommeil pendant le confinement, des nuits difficiles, fatigue qui s'accumule, d'inquiétude, un cercle vicieux qui se met en place, de ne pas réussir à dormir, de prier pour ça évidemment, mais ensuite de reconstituer ses forces sur la durée. Et dans la Bible, trop dormir, c'est souvent associé dans certains passages, en tout cas dans l'Ancien Testament, à des comportements néfastes. Alors, pour ceux qui connaissent bien leur Bible, je vais mentionner deux, trois histoires, vous pourrez aller les relire si vous les connaissez moins bien, mais par exemple l'histoire de Noé. Noé est connu pour son arche, mais il est aussi connu parce qu'à un moment, il a trop bu, il s'est enivré et il s'est endormi tout nu. Et ce qu'il a amené, d'après ce texte-là qu'on lit, à un moment de honte et de déshonneur pour sa famille, parce que dans sa nudité, eh bien, ses enfants le voient nu. Et on peut comprendre l'embarrassement total. Samson, c'est un autre exemple. Samson, c'est cet homme extraordinaire dans les Juges qui a beaucoup de force. Et pareil, il s'endort et pour se réveiller,
Et il voit que tous ses cheveux sont rasés. Et c'est de là où il tirait cette force extraordinaire. Et il y est lié, enchaîné par des cordes. Jonas, c'est un autre exemple. Le personnage de Jonas qui va être avalé par le poisson, comme vous connaissez peut-être, eh bien, il s'endort en plein orage alors qu'il fuit sa mission et qu'il va vers Tarsis. Mais là, aujourd'hui, c'est Simon. Simon et Jacques et Jean qui dorment. Alors, c'est cette question qui nous interpelle. Et pour nous aussi, je pense aujourd'hui, Simon, est-ce que tu dors? Tu n'as pas eu la force de rester éveillé, même pas pendant une heure. Les prophètes aussi parlent dans la Bible. Les prophètes, ce sont pas mal de livres dans l'Ancien Testament. Ils parlent du réveil. Joël dit, par exemple, « Réveillez-vous, ivrogne et pleurez. » Encore une histoire de vin. Ésaïe qui dit aussi « Réveillez-vous et tressaillez de joie, habitants de la poussière. » Jésus aussi parle du sommeil. Il parle dans une parabole des vierges sages et des vierges folles qui attendent les noces. Et il y en a certaines qui ont une lampe avec assez d'huile et d'autres n'ont pas assez d'huile dans leur lampe. Mais voilà, elles s'endorment et les noces commencent. Alors voilà, pas mal de choses. Et je voulais juste attirer notre attention sur deux points cet après-midi. Le sommeil spirituel, c'est ce qui est encore pire que le trop de sommeil qu'on peut expérimenter parfois quand on n'est pas bien ou quand on est en dépression. Parce que, évidemment, le sommeil spirituel nous fait tomber dans un état où on ne voit plus le travail que Dieu nous donne à faire dans ce monde. On ne voit plus les batailles qu'il y a à combattre. Alors, mon premier point, c'est celui-ci. Réveille-toi, réveille-nous, Seigneur, et contemplons Jésus qui agonise pour toi, pour moi, pour nous. Alors, Jésus, il emmène ses disciples dans le jardin de Gethsémané. Qui est sur le mont des Oliviers à Jérusalem, qui se visite encore. On a eu la chance d'y aller avec Virginie, avec Ginny, avec d'autres. Et vous avez ces oliviers qui sont absolument magnifiques, qui ont l'âge de Jésus. Hein. Ils étaient certainement là il y a 2000 ans. Et Gethsémané, ça veut dire le pressoir à huile. Donc évidemment, il y avait cette forêt, ce jardin d'oliviers. Mais c'est un mot intéressant qui a été conservé forcément, puisque Jésus, évidemment, il est pressurisé. Jésus ressent des angoisses. Et il le dit lui-même, il le dit à un moment dans notre passage, si vous avez devant les yeux, mais il dit « mon âme est brisée jusqu'à la mort ». Donc Satan, le monde, l'attend évidemment au tournant. On sait que c'est le moment, Jardin de Gethsémané, c'est après le dernier repas et juste avant son arrestation. Donc il va bientôt être arrêté, jugé, condamné, torturé, crucifié. Et donc, il a cette conversation avec son père et il dit, « Seigneur, Père, Abba, éloigne de moi cette coupe, mais non pas ma volonté, mais ta volonté. » Et donc, il va boire cette coupe qui représente justement cette colère de Dieu contre le péché jusqu'à la vie, boire la coupe jusqu'à la vie. Et évidemment, celui qui n'a jamais péché, Jésus le Christ, va mourir pour nous sauver. Donc, c'est l'heure la plus sombre, la plus ténébreuse quelque part. Et voilà, Jésus, il porte cette responsabilité, il sent cette responsabilité approcher, il sent cette angoisse approcher de porter, non pas seulement évidemment la souffrance physique qui a été réelle, mais aussi de porter l'ensemble des péchés du monde. J'ai l'habitude de dire en ce moment qu'à la croix, Jésus, et pendant ce moment-là, à Gethsémané, il a contemplé l'histoire du monde, il a eu cette vision du Père, et lui-même étant le Fils de Dieu, Dieu lui-même, il savait ce qui se passerait aujourd'hui pour le coronavirus, il savait que depuis que j'ai commencé à parler, il y aurait X viols dans le monde. Il savait qu'il y aurait toute cette brutalité qui peut s'exprimer depuis qu'on a commencé ce service à travers le monde. Des personnes qui se déchirent, des assassinats, ce que vous voulez, à travers les temps. Et donc, à ce moment précis, Jésus, il comprend la responsabilité qu'il a de donner sa vie pour les péchés du monde. Et par trois fois, il demande à ses disciples d'être à ses côtés, et par trois fois, ses disciples s'endorment. Alors, le chiffre 3 dans les Écritures se retrouve souvent et c'est souvent quelque chose de significatif. Dieu veut vraiment nous communiquer quelque chose à ce moment-là. Et Jésus demande à ses disciples de rester éveillés. C'est intéressant parce que Jésus, il leur dit « J'ai vraiment besoin de vous ». Alors, évidemment, les disciples sont un peu fatigués, il est tard, ils viennent de manger les repas de la Pâque, ils viennent de marcher un petit peu dans les rues de Jérusalem, sortir des murs, arriver dans le jardin. Mais Jésus qui a passé l'entièreté de son ministère pour les autres, à ce moment-là, il a besoin de ses disciples
du soutien de ses disciples. Et je trouve ça complètement bouleversant, en fait, parce que c'est très rare dans les évangiles. Et il dit « Mon âme est triste jusqu'à la mort. Restez ici et veillez. » Et on sait que dans un autre évangile, Jésus il aurait pu appeler 12 légions d'anges pour montrer que ben voilà, s'il avait eu envie, son père aurait envoyé tous ses anges. Donc, une légion, c'était à peu près 6 000 hommes. Donc 12 légions d'anges, ce serait 70 000 anges qui viendraient tout de suite au secours de Jésus. Mais il va donner sa vie. Il va donner sa vie, Jésus, évidemment. Mais il n'a pas demandé à des anges de venir, il a demandé à ses disciples, ses trois disciples proches de lui de venir. Et c'est vraiment intéressant de voir à la fois le Fils éternel, lui qui a créé les cieux et la terre par son souffle, par sa parole. Et bien là, à ce moment précis, c'est dans son humanité, dans sa vulnérabilité qui s'approche de ses disciples, Simon, Pierre et Jacques et Jean, et leur demande vraiment de le soutenir. Et pourtant, il dorme, il ronfle, et voilà, Simon, est-ce que tu dors? Dors-tu? Donc Simon, Pierre et ses deux acolytes, ils dorment au moment où leur ami, parce que Jésus vient de les appeler ses amis, vous vous souvenez dans Jean 15, c'est juste avant, pendant le repas, le dernier repas, Jésus a dit « Je ne vous appelle plus mes serviteurs, mes disciples, mais mes amis. » Donc Simon, Pierre dort au moment où son ami, son maître, a le plus besoin de lui. Et la question pour nous aujourd'hui, c'est est-ce que Jésus a besoin de nous? Et est-ce qu'on est endormi? Est-ce que on peut veiller une heure? Est-ce que peut-être dans ce temps de confinement, qui a eu évidemment son lot de problèmes, et évidemment on a dû réinventer beaucoup de choses, et à la sortie du confinement et la crise peut-être économique qui arrive va être sévère, mais Jésus il a besoin de nous en ce moment justement, sur ces temps qui sont difficiles pour le monde. Alors, ça c'est mon premier point, le roi de l'univers qui a commandé tout, qui a créé tout ce que vous voyez, l'infiniment grand, l'infiniment petit, celui qui, devant lui, tous les anges, tous les démons, tous les êtres humains plieront leurs genoux un jour devant sa majesté. À ce moment-là, dans le cœur de Dieu, il y a un désir profond de relation avec ses amis. Je trouve ça vraiment très intéressant. Mais maintenant, Jésus, évidemment, ressuscité, il est glorifié, il est monté auprès du Père. Et il est toujours touché par la misère du monde. Je mentionnais il y a quelques instants, mais c'est difficile à dire, mais depuis qu'on s'est retrouvé à 17h, il y a tellement de souffrances qui ont eu lieu à travers le monde. Et Jésus continue à intercéder pour ce monde. Il continue, son cœur, le cœur de Dieu, le cœur de Jésus, continue à être touché par tout ce qui se passe actuellement. Et il n'est pas éloigné. La question, c'est toujours pour nous, est-ce qu'on dort? Est-ce qu'on est endormi spirituellement? Vous savez, il y a une grande tradition dans différentes églises issue de ce verset 37 de veiller avec lui pendant une heure. Il y a par exemple chez les chrétiens catholiques l'adoration par exemple du Saint-Sacrement où on va rester une heure devant l'Eucharistie et adorer Jésus, rester éveillé en prière. Ou dans notre tradition en plus, ce sera peut-être au début d'une journée, commencer par un temps avec le Seigneur ou une fin de journée, avoir un temps vraiment avec le Seigneur, une heure pour ceux qui veulent vraiment aller plus en avant, mais c'est être vraiment dans la présence de Dieu. Et ce Jésus qui a agonisé dans le jardin de Gethsémané puis à la croix, et ce même Jésus glorifié qui continue à agoniser devant un monde qui est encore rebelle. Et donc, il nous appelle à nous réveiller et à veiller avec lui. Alors, le deuxième point de mon temps de message, c'est de voir sa gloire. Là, on a vu son agonie à Gethsémané, mais aussi actuelle. Mais voir sa gloire. Il y a un autre moment où les disciples s'endorment de manière intéressante dans les évangiles. C'est toujours avec ces trois acolytes, Simon, Pierre, Jacques et Jean. Et c'est une autre occasion, non pas à Jérusalem, mais en Galilée. Et là, Jésus monte sur une montagne. Il est transfiguré. C'est ce qu'on appelle la transfiguration du mot grec métamorphose, métamorphosis. Et en un instant, la gloire éternelle et divine du Fils est révélée, elle est manifeste. Et on voit des anges, d'ailleurs, le servir. À ce moment-là, il y a une voix qui vient du Père. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Et pareil, les disciples sont un peu assoupis, ils dorment, ils se réveillent et ils voient Moïse et Élie aussi autour de Jésus. Et Moïse et Élie représentent les deux grandes figures de l'Ancien Testament, Moïse pour la loi, Élie pour les prophètes, et qui conversent avec Jésus. Et là, ils n'ont rien de mieux qu'à dire, Pierre, encore une fois, est-ce que tu veux qu'on dresse des tentes, pour Moïse, pour Élie et pour toi? Et donc, c'est complètement fou. En fait, ils sont encore
un peu à côté de la plaque nos trois disciples favoris, et on aurait été nous-mêmes les trois disciples favoris. Mais il loupe quelque chose de vraiment fort, il loupe la beauté de Dieu, la gloire de Dieu, parce qu'ils sont endormis. Et cette voix du Père qui dit qui est Jésus, et c'est assez pathétique finalement, mais c'est encore une fois pour nous aujourd'hui cette question qui nous est posée: est-ce que tu dors par rapport à ce Jésus qui a agonisé pour toi, qui t'a aimé jusqu'à donner sa vie et qui encore intercède pour ce monde qui agonise, mais aussi est-ce que tu dors par rapport à la gloire de Dieu qui se manifeste de manière totale en Jésus? La gloire de Dieu, vous savez, la présence de Dieu, c'est pour ça qu'on chante, c'est pour ça qu'on partage l'Eucharistie, c'est pour ça qu'on écoute sa parole, c'est pour ça qu'on cherche des fois dans la nature à se rapprocher de Dieu. Mais c'est en Jésus qu'on peut se rapprocher de la gloire de Dieu, et il nous demande toujours. J'aime beaucoup cette prière de Kierkegaard, qui est un auteur philosophe danois du 19e siècle, qui a écrit ceci, une prière, et s'intitule « Toi qui nous as aimés le premier ». Et je vais vous la lire, elle est une prière magnifique qui peut nous inspirer. Donc Kierkegaard dit ceci: toi qui nous as aimés le premier, ô Dieu, nous parlons de toi comme si tu ne nous avais jamais aimés le premier, qu'une seule fois dans le passé. En réalité, c'est tout au long des jours et tout au long de la vie que tu nous aimes le premier. Quand nous nous éveillons le matin et que nous tournons notre âme vers toi, tu nous devances, tu nous as aimés le premier, tu es déjà là. Si je me lève avant l'aube et tourne vers toi, et tourne vers toi à la même seconde, mon âme et ma prière, là tu me devances, tu m'as aimé le premier. Quand je m'écarte des distractions et recueille mon âme pour penser à toi, là encore tu es le premier. Cette idée que Dieu, en Jésus et par son Esprit Saint, il est toujours là. À chaque fois qu'on va dans sa présence, cette heure dont Jésus parle à ses disciples, à Gethsémané, il est là. Donc, on peut orienter notre vie vers ce soleil. Certains d'entre nous, peut-être, ont suivi d'autres orientations, des choses moins nobles, des choses tout à fait bonnes, mais qui ont peut-être éclipsé la gloire du Seigneur. Et c'est bon de recalibrer notre orientation. Et c'est ce qu'on veut faire. Et on veut aussi vivre un réveil spirituel pour notre Église, pour cette nation du Royaume-Uni, pour ce continent, pour la France. Vous savez, mon rêve, c'est de voir de plus en plus de personnes goûter à cette chose, la gloire du Seigneur, sa présence, mais aussi de reconnaître que ce Jésus a donné sa vie, a agonisé pour nous et continue à intercéder pour ce monde. Imaginez une seule seconde si ce soir on avait la gloire du Seigneur qui se révélait là où nous trouvons dans notre chambre, je pense qu'on serait à genoux, on serait en adoration. Voilà, le dernier point, c'est de parler du réveil. Dans les cercles protestants, les cercles évangéliques, on parle parfois de réveil. Réveil spirituel, c'est souvent un mouvement social de renouvellement spirituel qui vise à réveiller une foi qui est endormie, qui est assoupie, et qui est routinière, qui est mécanique, qui est traditionnelle. Il n'y a plus de vie, il n'y a plus d'esprit saint. On va entendre tout à l'heure le témoignage dans quelques instants d'Anne France, mais il y a quelque chose de cela, de réveiller le géant endormi. Vous savez, l'Église, c'est des hommes et des femmes, mais si l'Église se réveille, l'Église avec un grand E, c'est comme je l'ai dit, un géant qui s'endort. Je pense que beaucoup de choses peuvent changer. Mais ça commence avec nous. Ça commence ici à Londres, là où nous trouvons. Ça commence au French Connect. Et la question que Jésus nous pose aujourd'hui, c'est réveille-toi. Réveille-toi et contemple que Jésus est mort pour toi. Réveille-toi et contemple sa gloire, la gloire du Fils éternel. Amen. Ce que je vous propose, c'est peut-être de prendre un chant. On va continuer à méditer sur ces paroles de Jésus. Et à absorber ce qu'il veut que nous expérimentions, c'est-à-dire son cœur pour le monde.
Je bâtirai ma vie, Seigneur. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable. J'ancrerai ma foi en ton nom seul. Je ne tremblerai pas. Je bâtirai ma vie sur ton amour. Fondement inébranlable, j'en ma foi en ton nom, ce nom je ne. Chantons-le encore une fois. Je bâtirai ma vie sur ton amour, fondement inébranlable, j'en ferai. En ton nom seul, non, je ne tremblerai pas. Très saint, qui est semblable à toi, qui est comparable. Ouvre mes yeux à ta beauté, déverse ton cœur en moi, révèle ton amour et rends-moi passionné de ce que tu es. Oui, je bâtirai ma vie, Seigneur. Remplis de ta vie, Seigneur, et montre sur toi. Que tu es passionné, Seigneur, ce dont tu as donné ta vie. Père, on ne veut pas, absolument pas, que nous soyons tièdes, nous soyons froids, Seigneur. Un monde qui souffre, Seigneur. Toi, tu as donné ta vie par amour et tu continues à donner, Seigneur, inlassablement, Seigneur, à ton Église, des hommes et des femmes, des ouvriers, Seigneur, ton esprit. Seigneur, je te prie que tu nous réveilles, Seigneur, chacun d'entre nous, Seigneur. Ne reste pas apathique, Seigneur, et en particulier après ce confinement qui a évidemment été compliqué, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, et avec cet été qui arrive, où on peut avoir tendance aussi à juste être inactif peut-être. Mais Seigneur, tu nous demandes, Seigneur, d'être dans ta présence, tu nous demandes d'intercéder, tu nous appelles à témoigner, Seigneur. Réveille-nous, Seigneur, ça commence par nous, Seigneur. On veut voir de grandes choses, on les a vues déjà, Seigneur, des prémices. On veut continuer à voir tout cela, Seigneur, dans ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Amen. Merci Gilbert, merci Corinne, merci Timmy. On passe à ce temps où on a un invité, une invitée. Aujourd'hui, c'est Anne-France de Boissière qui est notre invitée. Et c'est vraiment un plaisir de t'avoir avec nous, Anne-France. Si tu peux peut-être ôter le mute, c'est peut-être déjà fait. Est-ce que tu m'entends? Je t'entends très bien. Super. Anne-France, c'est vraiment chouette de t'avoir avec nous. Alors, peut-être pour ceux qui ne te connaissent pas, je t'ai présenté un tout petit peu la semaine dernière, mais pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux dire qui tu es? Oui, je m'appelle Anne-France de Boissière. Je suis mariée avec le merveilleux Arnaud. On va fêter nos 30 ans de mariage le 4 août prochain. Et nous avons 4 enfants, dont 2 filles qui se marient, qui devaient se marier l'été prochain, qui se marient à l'automne prochain. Et voilà, je suis responsable de la formation chez Alpha depuis 8 ans. Et je suis coach. J'ai été formée au coaching quand je suis entrée chez L'Oréal, quand j'ai commencé à travailler chez L'Oréal il y a 30 ans, jusqu'à ce qu'il y a 8 ans, le Seigneur me dise « Viens plutôt servir mon église que servir le CAC 40 ». D'accord. Et du coup, donc pour ceux qui ne connaissent pas Alpha, c'est les Parcours Alpha, c'est l'association Alpha France, où il y a une dizaine de permanents qui travaillent pour toute la France, en lien avec les églises, les paroisses, les prêtres, les pasteurs, les évêques. Et toi, tu as en particulier cette vision, cette charge, justement, je t'ai présenté, donc tu es catholique, la semaine dernière, donc pour un French Connect, je t'ai présenté, mais quand tu n'étais pas là. Et justement, tu t'occupes en particulier de ce qu'on appelle la transformation pastorale. Alors, est-ce que tu peux expliquer en quoi ça consiste? Comment est-ce que toi, justement, tu es connecté avec de nombreuses paroisses? Tu essayes de montrer que, voilà, il y a une transformation, une métamorphose à avoir côté pastoral. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait? Parce que c'est peut-être un jargon pour certains d'entre nous. C'est forcément un jargon. C'est notre patois de canard. Non, la transformation pastorale, c'est la transformation missionnaire des églises locales.
En fait, on a eu cette expérience, comme disait Jean-Luc, les parcours Alpha permettent à des chrétiens qu'ils souhaitent de se réunir ensemble et de créer des lieux qui permettent à des gens qui sont loin de l'Église de devenir chrétiens, de rencontrer le Christ, de mieux connaître l'Église. Et on a tous vécu ces expériences très douloureuses de gens qui rencontrent le Christ, qui ont envie de mieux connaître la foi et qui viennent dans nos églises et qui ne sont pas forcément accueillis, qui ne sont pas forcément intégrés. Donc, on a eu cette intuition chez Alpha de se dire, en fait, il faut également travailler de façon, d'abord de travailler sur nos leaders, nos pasteurs, la formation de nos pasteurs, et puis de façon plus générale, sur tous ceux qui forment l'écosystème des églises locales, pour que toute notre culture soit transformée, notre culture de l'accueil, notre culture de la prière, notre culture du service, notre culture de l'évangélisation et notre culture de la fraternité. Et du coup, alors, comment ça se passe? Tu organises des parcours pour des prêtres, des pasteurs, c'est ça? Et... Exactement, on a créé des formations pour les prêtres qui s'appellent Pasteur selon mon cœur, qui a été suivi par 800 prêtres en France. Donc, on voit effectivement exactement, c'est ce mot de prémisse que tu as employé, Jean-Luc, qui est assez, qui est très bouleversant pour moi. Vraiment, je vois la gloire de Dieu. Je disais, je la vois dans ma chambre, je la vois dans ma chambre, mais je la vois dans toutes les églises où je vais. On voit vraiment le Saint-Esprit à l'œuvre et on voit comment Dieu bénit en ce moment en France. Les églises catholiques qui ont à cœur de se transformer, en vrai, elles redeviennent missionnaires, ce qu'elles n'auraient jamais dû cesser d'être. Mmh. Je vois des églises qui vraiment, en fait, ont cette option préférentielle pour les pauvres que nous recommande le pape François. Et puis, je vois également ce travail dans l'unité qu'on fait avec des prêtres qui, aujourd'hui, ont à cœur d'implanter des églises. En contexte catholique, c'est inimaginable d'implanter des églises. Bien. Et en fait, Dieu a mis ce désir dans leur cœur. Et on a été d'ailleurs beaucoup aidés par Jean-Luc et Andy sur ce sujet. Oui, et donc des implantations d'églises, c'est formidable. Et alors, justement, donc, tu disais ça, c'est fascinant de voir que l'Esprit-Saint pousse les uns et les autres, et dont toi, à une certaine, entre guillemets, revitalisation dans l'Église catholique en France. Mais, justement, est-ce que tu peux nous donner maintenant des exemples concrets de tels, peut-être sans nommer ou donner une ville, oui. Là où peut-être il y a eu des choses magnifiques qui se passent, ou un diocèse qui est, moi je pense au diocèse évidemment Toulon entre autres, mais oui. Il y en a peut-être d'autres. Et là où le Seigneur est à l'œuvre, qu'est-ce qui se passe concrètement aussi, toi qui as un regard 360 degrés sur l'Église catholique en France? Oui, non, c'est vrai que je vois Dieu à l'œuvre, je vois surtout des cœurs qui s'ouvrent. Moi j'ai la chance d'avoir rencontré plus de 1000 prêtres en tête à tête, donc je vois effectivement comment Dieu permet que les cœurs s'ouvrent. Et effectivement, tu parlais, Jean-Luc, du diocèse de Toulon. À Toulon, ils ont eu une initiative magnifique pendant le confinement qui était de lancer ce qu'ils ont appelé un parcours traversé. Donc chaque jour, 3 prêtres à tour de rôle publiaient une vidéo pour accompagner les gens durant cette traversée du confinement qui a été extrêmement douloureuse pour beaucoup. Et ils ont eu 30 000 personnes qui sont inscrites, qui donc tous les jours venaient passer, alors tu disais une heure. Alors je pense qu'ils en étaient à un quart d'heure, 20 minutes avec Dieu chaque jour. Et en fait, ce qui est émouvant pour nous, c'est qu'à la fin de ce parcours traversé, les gens avaient encore soif et on leur a proposé un parcours alpha en ligne qui actuellement est suivi par près de 1000 personnes qui donc suivent ce parcours alpha qui leur permettent de mieux connaître le Christ. Parallèlement à ça, on a également donc ce parcours pasteur selon mon cœur, qui a donné naissance à ce qu'on appelle des écoles de gouvernance pastorale, c'est-à-dire des curés qui travaillent ensemble. Et pour moi, vous savez, pour moi qui viens du monde de l'entreprise, qui viens de L'Oréal, j'ai trouvé qu'il y avait dans l'Église parfois une forme de dureté entre les prêtres. Ils ne travaillent pas toujours ensemble, ce n'est pas forcément simple pour des prêtres. Déjà, ce n'est pas simple en entreprise de travailler ensemble, mais a fortiori dans l'Église, il y a des sujets d'ego, de jalousie, quoi, le malin s'en mêle. Et en fait, on a créé ces écoles de gouvernance pastorale qui permettent à des curés de travailler ensemble, de partager sur leur vulnérabilité. Je vais vous donner un exemple entre nous. C'est un prêtre me disait, c'est la première fois que je trouve un lieu où je pourrais parler si je tombe amoureux de Madame Cathé. C'était beau de dire ça. En disant, ben voilà, je serai accompagnée, je serai aidée, je serai bénie, je serai équipée par les autres. Donc, ce sujet de la fraternité qui est vraiment l'illustration de ce que nous demande le Seigneur, quoi. C'est à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres que tous verront qu'ils sont mes amis. Il y a également d'autres exemples. On a fait une conférence transformation pastorale l'année dernière à Paris. Il y avait 800 personnes. C'est-à-dire que 800 personnes sont venues à Paris en disant « Il faut qu'on transforme nos églises et il faut que nos églises soient ouvertes à ceux qui sont loin. » Il y a également tous ces prêtres qui aujourd'hui se forment dans l'unité. Donc, je vous parlais tout à l'heure de ce qu'ils font pour l'implantation d'églises. Ils sont venus se former. Donc, on est venus tous les jeudis à Londres en janvier et février pour se former auprès de Rick Thorpe, oui. Sur l'implantation d'église. Il y a aussi avec toute une équipe de prêtres, je suis allée aux États-Unis l'année dernière rencontrer Rick Warren pour voir comment une église motivée par l'essentiel
peut être un concept qu'on développe en France. Donc aujourd'hui, il y a un réseau de 15 paroisses qui développent tout ce processus développé par Rick Warren d'une église motivée par l'essentiel. Il y a également des petites paroisses comme en Ardèche, quand je dis petites parce que c'est des paroisses qui sont, voilà, qui sont certainement plus pauvres que certaines et qui développent la louange, qui développent la fraternité. J'ai vu pendant le confinement des paroisses, on n'avait pas le droit au moment des rameaux de se réunir. Et c'est les prêtres qui sont allés dans les villages distribuer des rameaux, ce qui est très une culture très importante sur le plan culturel dans l'Église catholique. Puis la chance. Et puis donc voilà. Puis la dernière chose que je trouve bénie, c'est parce que c'est tout récent, ça date d'il y a 3 jours. Notre formation Pasteur selon mon cœur maintenant va également être développée dans un contexte protestant auprès des assemblées de Dieu. Waouh. Donc ça discute avec René Delattre alors. En l'occurrence, non, c'est Yann, le responsable de l'implantation d'église pour les ADD. Ok. C'est que des projets, des choses formidables, comme tu disais. C'est plus que des projets. Oui, des réalisations et et des royaumes de Dieu à l'action. Et c'est une joie d'entendre tout ça parce que c'est vrai que l'Église catholique est ce géant qui est parfois endormi, parfois même peut-être mort dans certains endroits. Mais on croit au Dieu de la résurrection, on croit au Dieu qui réveille et par son Esprit Saint. Et c'est magnifique de voir que, bon, entre autres, les parcours Alpha France et toi, Alphonse, vous participez à ça. On est tous des ouvriers, nous, ici à Londres, évidemment, avec le projet de la bénédiction. On a essayé de faire ça. On continuera avec d'autres projets, évidemment, à bénir les églises en France. Et comment est-ce qu'on peut... J'ai bien aimé aussi ce que tu as dit par rapport à constituer un lieu pour les pasteurs, les prêtres, où ils peuvent être vulnérables, comme on a entendu tout à l'heure dans ce jardin de Gethsémané. Jésus était vraiment vulnérable et il a voulu avoir des amis avec lui pour partager ça, sa peine. Mais comment est-ce qu'on peut prier pour toi concrètement dans nos prières, dans notre vie de prière du French Connect, et se rappeler d'Alpha France et de Anne France? Comment est-ce qu'on peut prier? Je veux bien que vous priez pour la fraternité entre les prêtres, les pasteurs, au sens large. Je pense que c'est vraiment ce que je disais. Oui, c'est par cette amitié entre les pasteurs que les gens auront envie de rejoindre nos églises. En fait, j'aimerais qu'on soit provoquant, que les gens se disent « mais c'est dingue quand je vois comment les catholiques, les protestants s'aiment, quand je vois comment les prêtres entre eux s'aiment, ça me donne envie de mieux connaître ce Jésus qu'ils ont décidé de suivre. » Donc, yes. Je viens vous prier pour ça. Merci Jean-Luc de ta proposition. On va prier pour ça cette semaine, tous les matins, on se réunit pour prier au French Connect. Anne-France, est-ce que tu as encore un mot d'encouragement ou avant qu'on passe aux annonces? J'aurais surtout envie de vous dire, vraiment poser un acte de gratitude, dire mais vraiment merci pour tout ce que vous faites, parce que ce qui s'est passé à Londres est extrêmement inspirant pour nous. Je parle de l'implantation d'église, de la revitalisation, et quand tu parlais du réveil spirituel, on est incroyablement inspiré par ce qui se passe et par ce réveil que connaît l'Église anglicane. Et nous, on s'est dit, ah mais alors, si les anglicans y arrivent, il faut que les catholiques y arrivent aussi. Vous êtes vraiment un message d'espérance pour nous et un message d'amitié. Soyez bénis. Merci. Merci Anne-France. Alors, tu sais qu'on a quand même beaucoup de... Merci. On accueille beaucoup de catholiques, justement, au même jour, je regarde les noms, dans le French Connect aujourd'hui. Quelques catholiques qui sont là, c'est chouette. Il y en a même qui sont en France. Je vois Cécile Christina, basée en France, et qui cherche justement des paroisses... du côté d'Angers, du côté de Paris. Bon, à Paris, il y en aura des paroisses vivantes. Je vois Mathilde aussi qui est là, Marie-Stéphanie et d'autres. Mais Marie-Laure, Marianne. Merci Anne-France, c'est génial, merci. Alors, comment est-ce qu'on fait pour te suivre? On te googlise, c'est ça? Sur YouTube, il y a des petites vidéos ou qu'est-ce que tu donnes? Oui, j'ai également créé un site qui s'appelle transformationpastorale.fr. Oui. Sur lequel je mets plein de ressources, je mets des vidéos et je mets les noms des paroisses. Tu parlais, Jean-Luc, de ces gens qui vont à Angers, Paris, quoi. Je donne le nom des paroisses qui sont des paroisses, des hub church, quoi, des paroisses qui vraiment sont influentes et fécondes. Top. Eh ben, on regarde ça, transformation pastorale. C'est ça, hein, transformation pastorale. Ouais. Je vous le mets sur le chat. Ah, super. Merci Anne-France. Alors, je passe maintenant, on passe maintenant au... Bon, on va peut-être prier pour toi, on a un peu de temps aujourd'hui, on a peut-être moins fait de choses. Je propose qu'on prie pour toi et pour ce que tu as suggéré, cette fraternité, cet amour entre prêtres d'abord, mais aussi entre responsables de différentes églises.
Alors, Père éternel, on se tourne vers toi, Seigneur. Merci pour le témoignage d'Anne France, de la vitalité que tu donnes, Seigneur, à travers son ministère dans les églises en France, Seigneur. Tous ces rendez-vous qu'elle a eus, toutes ces rencontres qu'elle a eues, Seigneur, avec ces chiffres incroyables de 800, 1000 prêtres, Seigneur, mais aussi ce parcours alpha dans le diocèse de Toulon a été traversé de 1000 personnes. Et on prie ta bénédiction sur d'abord Anne France et sa famille, Seigneur, mais aussi sur son travail. Et l'équipe d'Alpha France, Seigneur. Merci, Seigneur, pour tous ces prêtres. Et pour cette fraternité, Seigneur, augmente-la. Montre qu'il n'y a pas de solution, autre solution quand on est disciple de Jésus-Christ que d'aller vers son frère, sa sœur, et ben voilà, de les aimer d'un amour qui vient de toi, Seigneur. Donc, je te prie pour ces liens d'unité aussi, Seigneur, entre prêtres, pasteurs. Développe, Seigneur, pour que le monde croit. Dans ton Saint-Nom, Jésus. Amen. Voilà, je passe sans transition aucune à les quelques annonces qu'on propose chaque semaine. Aujourd'hui, bah, je commence comme d'habitude avec l'offrande. Je n'ai pas trouvé encore de logo, je tiens à dire à tout le monde, qui me satisfasse sur mon PowerPoint. J'ai mis, c'est un petit logo qui est catholique, qui vient de la quête. C'est une application catholique pour donner à la messe. Mais voilà, en tout cas, l'offrande, ce qui est important à savoir, mon message, c'est continuer, si vous pouvez, si vous le souhaitez, à bénir Saint-Barnabas. Et par cela, le French Connect, on a chaque mois, on a un budget à peu près de 50 000 pounds qui ne vient que des dons des fidèles et qui est couvert à moitié, donc 25 000, 30 000 pounds, par des virements automatiques. Ça veut dire que chaque mois, en fait, si on n'a pas, et en ce moment, on n'a pas de numéraire, évidemment, puisqu'on ne se réunit pas pour récupérer ça, et on n'a pas de location du bâtiment. Donc, on est chaque mois en déficit, donc c'est pour ça que chaque mois, chaque semaine, on demande. Soyons concrets. Si vous avez besoin de savoir un petit peu plus sur les finances de l'Église, n'hésitez pas à me demander, ce n'est pas secret, hein, c'est une association culturelle, où les chiffres sont présentés chaque année vers un auditeur externe. Donc, n'hésitez pas. Alors cette semaine, comme je le disais, on va prier lundi, mardi et jeudi, mais continuons à bénir lors de notre prière quotidienne, notre marche quotidienne, pardon, à bénir nos voisins, à bénir nos collègues. On est toujours dans un temps, je pense, où la prière est extrêmement importante. On l'a vu dans ce texte. Veillez avec moi. L'esprit est veut, mais la chair est faible, comme Jésus dit. On a atteint 300 000 bénédictions hier ou avant-hier, et là je suis heureux de pouvoir vous annoncer qu'on continue à travailler sur un projet sensiblement différent, mais sur l'Avent et sur Noël. On va faire un carol en anglais, c'est un chant de Noël en français, chanté en église, en unité à travers la France, avec un thème qui, on espère, ressemblera à suivre l'étoile, et une invitation à venir dans les églises pendant la période de l'Avent et de Noël pour les Français, pour toute la France. Donc, ce sera une autre sorte de bénédiction. La semaine prochaine, c'est notre dernier French Connect de la saison, et on aura ce thème « Cela vous scandalise-t-il ?» Jésus, qui était connu aussi pour scandaliser, pour justement être provocateur, tu parlais de ça, Anne France. Et on aura donc François Méron, qui, avec son groupe Leader Vocal, fait du rap chrétien depuis 20 ans maintenant, ils sont plus tout jeunes. Mais François est aussi pasteur. Il va nous partager sur ce thème de, justement, du scandale qui est la foi chrétienne parfois. Après, on a une pause pendant le mois d'août, fin juillet et début août, et on reprend le French Connect le dimanche 30 août, on l'espère en physique, mais aussi avec un aspect évidemment internet. Je pense qu'on ne pourra plus revenir en arrière après le confinement et cette période de crise du Covid. Mais pendant l'été, on va quand même garder un temps ensemble de prière, mais aussi un parcours panorama qui est vraiment bien fait. Il y a des vidéos sur 8 passages. On revoit la Bible. Le parcours panorama, c'est de regarder la Bible. Et on voit les 8 étapes, on va dire les 8 actes, comme une pièce de théâtre. Il y a 8 actes dans la Bible. La création, donc le royaume qui est créé. Après, il y a la chute. Après, il y a Israël et les prophètes. Après, la venue de Jésus, l'Église et la fin des temps et le retour de Jésus et le royaume parachevé. Et c'est vraiment un bon parcours à faire pendant cet été. Si vous avez l'occasion de vous connecter, 20h tous les mercredis, et une fois sur deux, on fera la prière. Je pense qu'on arrive au terme de notre temps ensemble. Merci à tous ceux qui ont participé. Je pense à la musique, je pense à ceux qui sont là toutes les semaines. Mais
On va finir par une bénédiction toute simple. C'est celle qu'on trouve dans l'épître aux Corinthiens, à la fin de 2 Corinthiens, et qui est simplement une formule qui implique la Trinité, et qui est que la bénédiction de Dieu le Père, et l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint et le Seigneur Jésus-Christ vous bénissent cette semaine et vous gardent, vous et vos proches. Amen. Amen. Voilà, c'est terminé.